Salut, salut, chers amis. Vous savez, parlons un peu de la musique et de l'artiste. Vous savez, le travail d'un artiste, c'est l'artiste comme le journaliste. L'artiste est comme le journaliste, ou bien l'écrivain, ou tous ceux qui utilisent une plume, ou bien tous ceux qui écrivent quelque chose, ou qui doivent parler pour soit dire les beautés de la société, soit dénoncer. Ensuite, donc, ceux-là qui doivent mettre en évidence certaines choses dans la société. Alors, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne changent pas chez nous en Afrique, qui ne changent pas dans nos pays. Et pour cela, les musiciens, on invite les musiciens aussi à chanter pour cela. On ne chante pas juste pour dire, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, quand ce n'est même pas beau. Le musicien chante aussi pour éduquer, il chante pour dénoncer. On n'a pas besoin de faire la politique pour faire cela, non. On chante, l'artiste, c'est l'artiste. Il doit faire de l'art. Et quelque chose qui est bien, on peut bien faire de la politique. Mais juste que les musiciens ne doivent pas oublier de dire aussi quand ce n'est pas bien, il faut dire ce n'est pas bien. On dénonce, on chante quand c'est bien, on dit c'est bien. Mais quand ce n'est pas bien, on dit ce n'est pas bien. C'est ça justement, il faut chanter. Quand on chante peut-être, on chante pour divertir, c'est vrai. On chante aussi pour critiquer. On chante aussi pour, vous savez, divertir. Il faut que les gens se sentent bien en suivant la musique. Mais il faut que la parole dise aussi quelque chose. Bon, dis une parole. Si je prends peut-être, vous prenez quelque chose comme We are the world. We are the world qui était pour dénoncer quelque chose. Hein? Et voilà. Nous sommes le monde. We are the world. We are the children. Children. Et. Vous voyez un peu, et il y a beaucoup de ces musiques-là. Je cite par exemple des gens comme Richard Bona, je cite Charlotte Dipanda, je cite le papa Valsero. Alors, vraiment, donc, c'est dans cette lancée-là que j'ai réfléchi à faire cette petite mélodie déjà. C'est juste un début, et voilà, nous allons. J'inviterai les autres à travailler avec moi dessus. Et voilà, et j'invite avec cela pour le changement. Donc, c'est une mélodie pour le changement. Ça fait, il est venu le temps. Je vous donne juste le premier couplet et le refrain. Il est venu le temps quand nous regardons l'Afrique et notre pays. De se lever et de se mettre ensemble. Qui se lève et se met ensemble? Nous, les habitants de l'Afrique, les habitants du pays. C'est pas dit l'Afrique et les autres pays se lèvent ensemble ou bien que tous les pays se mettent ensemble, mais les habitants. Donc, il est venu le temps, quand nous regardons l'Afrique et notre pays, de se lever et de se mettre ensemble, quand ce continent, quand ce pays continue à sombrer, pour stopper tout ce qui va mal, et aboutir au changement et pour enfin avoir des jours meilleurs. On ne peut pas continuer à croire, à prétendre que quelqu'un viendra changer les choses. Et même si quelqu'un devait nous aider, nous devrions aussi nous lever. Car toute cette souffrance, tout ce désordre, toute cette manière de faire nous ralentit et nous rend la vie plus difficile. Vous savez, dans le monde, ça c'était le premier couplet. Dans le monde, les journalistes et les journalistes, la plupart du temps sont peut-être, ils sont peut-être tiraillés, ils sont peut-être, on les fait peur, par exemple chez nous, on les donne souvent, mais c'est en train de changer avec le temps, vous voyez. Beaucoup ont peur de dire des choses. Je comprends, c'est vrai, c'est normal. Mais le musicien, dans ta musique, tu peux dire quelque chose. Même si, en fait, tu n'as pas indiqué le nom de quelqu'un dedans, mais dans le gros, tu as dit quelque chose qui va faire que ces personnes qui, je sais pas, les personnes qui se sentent coupables, il y a des personnes qui vont se sentir coupables. Ça va aller dans la société, tu as l'impression que tu as versé une bombe atomique dans la société qui va aller tuer des gens. C'est comme ce virus-ci qui va, ça prend des gens et ça ne prend pas les autres, justement. Donc, oui, le virus, attention, c'est parce que le virus ne prend pas
d'autres personnes. Je veux dire, ça attrape celui-ci, ça attrape chacun à un moment donné, à un moment voulu. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va attraper A, on ne sait pas quand est-ce que ça va attraper B. Donc, je continue. Le refrain, c'est bien l'Afrique. C'est notre pays. Nous venons de là. Nous vivons là. Nous devons changer les choses. Nous devons faire le choix de sauver notre pays, notre continent. Et que tout ce désordre, cette manière de faire de nos gouvernants change. Ensuite, nous espérons une vie normale et meilleure. J'invite les artistes, je vous dis, j'invite les artistes, à chanter. Chanter pour ce qui est beau. Chanter aussi pour critiquer. Chanter pour dire non, ça, c'est pas bien. Chanter, ben c'est ça de l'art. Si on fait de l'art, justement, pour, là, ne faites pas l'art pour mentir, pour tromper. Chantons. C'est ça la beauté de l'art. Ça va être positif. Chantons pour dire c'est beau. Chantons pour dire là, ce n'est pas beau. Chantons pour dire là, il faut demander pardon. Là, il faut changer. Vous voyez, la musique, c'est quelque chose. Chacun se lève aujourd'hui, il fait de l'art. Chacun se lève aujourd'hui, il fait la musique. Bon, dans nos pays, vous savez que ça fait que la plupart de personnes, on est dans un pays, par exemple, où vous avez des diplômes. On a tellement de diplômes, on ne fait rien avec. C'est dommage. On a beaucoup, il y a tellement de gens que les diplômes ne font rien avec. Et après, ils se lancent dans la musique, dans le théâtre, dans la comédie et tout. Et ce qui fait que c'est pas vraiment ce que les gens avaient choisi. Vous voyez un peu. Mais il y a beaucoup de musiciens professionnels, comme je citais tout à l'heure, Valsiro, Charles Dipanda, Richard Bona et encore beaucoup d'autres personnes, Longa Longa et autres. Donc, vous voyez, et ce sont des gens qui s'y donnent aussi, vraiment, qui travaillent vraiment là-dedans. Vous allez vous rappeler de Michael Jackson et autres musiciens aussi. Bon, ça ferme. J'ai déjà fait, bon, avec ce piano, j'ai déjà fait un petit beat, mais c'est encore en train d'être travaillé, le chant. Ça, c'est juste un beat un peu comme pour une petite démo, alors pour que l'on puisse suivre ce que c'est, si vous avez des paroles. Le refrain va faire, c'est bien l'Afrique, c'est notre pays, nous venons de là. Nous devons changer la chose, nous devons faire le choix, sauver notre pays, notre continent, et que tous ces anciennes manières de faire, de nous gouvernants changent. Ensuite, nous espérons une vie normale et meilleure. Le couplet, ça c'était le couplet et le refrain. C'était le refrain, le couplet. Il est venu le temps, quand nous regardons l'Afrique et notre pays, de se lever, de se mettre ensemble, quand ce continent, quand ce pays continue à sombrer, pour stopper tout ce qui va mal et aboutir au changement. Et enfin, avoir des jours meilleurs. On ne peut pas continuer à croire, à prétendre que quelqu'un vienne à changer les choses. Et même si quelqu'un est dans nous aider, nous devons aussi, nous devrions. Nous aussi nous lever. Car toutes ces souffrances car toutes ces souffrances, tout ce désordre, c'est une manière de faire nous ralentir et nous rend la vie plus difficile. Si bien l'Afrique,
c'est notre pays. Nous venons de là, nous vivons là. Nous devons changer les choses, nous devons faire le choix de sauver notre pays, notre continent. Et que toute cette manière, et que tous ces désordres, cette manière de faire, de nous gouverner ensemble. Ensuite, nous espérons une vie normale et meilleure. Allons par 20 bits maintenant. Voilà. Alors, vous avez suivi, chantez avec moi maintenant. C'est bien l'Afrique, c'est notre pays. Attendez. Bon, allons-y. Chantons pour le changement. Artiste, c'est... Il est venu le temps quand nous regardons l'Afrique et notre pays, et de se lever, de se mettre ensemble. Quand ce continent, quand ce pays continue à sombrer, stopper tout ce qui va mal et aboutir au changement, et enfin avoir des jours meilleurs. On ne peut pas continuer à croire, prétendre que quelqu'un vient à changer les choses. Et même si quelqu'un devait nous aider, nous devrions nous aussi nous lever. Car toutes ces souffrances, tous ces désordres, ces manières de faire nous ralentir et nous rend la vie plus difficile. À vous l'offrant, c'est bien l'Afrique, c'est notre pays. C'est bien l'Afrique, c'est notre pays. Nous venons de là. Changer les choses, nous devons faire le choix de sauver notre pays, notre continent. Et que tous ces désordres, cette manière de faire, de nous gouverner en change. Ensuite, nous espérons une vie normale et meilleure. C'est bien la fuite. Notre pays, nous venons de là, nous vivons là, nous devons changer les choses, nous devons faire le choix de sauver notre pays, notre continent, et que tous ces désordres, cette manière de faire, de nous gouverner ensemble. Ensuite, nous espérons une vie normale et meilleure. Il y a un deuxième couplet et la coda qui va arriver. Qui vont arriver, pardon. C'est notre pays. Nous venons.
changer les choses. Nous devons faire le choix de sauver notre pays, notre continent. Et que tous ces des anciennes manières de faire, de nos gouvernants changent. Ensuite, nous espérons une vie normale et meilleure. Alors, chers amis, voilà, portez-vous bien. Il faut aimer la musique, écouter. J'invite les artistes à composer pour la beauté, à composer parce que c'est beau, à composer parce que ce n'est pas bien et on veut arranger, on veut que ça s'arrange. Et l'artiste, c'est quelqu'un qui interpelle. L'artiste, c'est quelqu'un qui il est là pour dire la beauté des choses. Il est là pour dire ce qui est bien. Il est là pour dire ce qui n'est pas bien. Et il est aussi là pour détendre les gens, pour faire que les gens se détendent. C'est quoi? Se détendent? Oui, je pense. Et il est là pour justement embellir les choses qui sont qu'il faut embellir et dire les choses qu'il faut dire, dénoncer ce qu'il faut dénoncer, dénoncer ce qu'il faut dénoncer, embellir ce qu'il faut embellir. Et voilà, c'est un peu ça. Alors, portez-vous bien, restez en santé et bon week-end. Ciao. Encore, je vous fais encore un petit refrain. C'est bien l'Afrique, c'est notre pays. Nous venons de là, nous vivons là. Nous devons changer les choses. Nous devons faire le choix, sauver notre pays, notre continent. Et que toutes ces manières, et que toutes ces des anciennes manières de faire, que nous gouvernons ensemble. Ensuite, nous espérons une vie normale et meilleure. Alors, on va se revoir pour d'autres mélodies et la suite de ce chant et la suite de cette mélodie. J'aime souvent dire chant parce que la musique, on dit bien la musique, mais la musique c'est l'ensemble de tout ça qui donne la musique. Alors portez-vous bien et à la prochaine. Je vous aime bien. Ciao.